Alors parfois, il y a un comité, parfois, peut avoir le syndrome du serpent qui se mord la queue. Une filiale veut faire un petit investissement, petit, hors budget. Hein? Donc on remonte à digue. Hein? D'accord? La filiale dit, ok, bon, cher digue, je voudrais faire un petit investissement hors budget. Hein? Un tout petit investissement. La digue dit, très bien, tu as le droit de vouloir un petit investissement hors budget. Hein? Tu fais bien de m'en parler. Hein? Hein? J'ai dit la question, je te rappelle. Il a dit, ok, merci, merci digue. Alors la digue, en l'occurrence, n'y connaît rien dans ce petit investissement hors budget. Donc la digue va voir son directeur technique de digue. Bon voilà, il y a une filiale là, elle veut faire un petit investissement au budget. Bon, très bien. Alors tu me dis ce que t'en penses, hein, puis je lui dirai ce que tu penses. Hein. Bon, bon. Alors directeur technique de filiale, bon, lui dit, bon, pas de problème, j'ai plus la question, je te rappelle. Digue, ok, sympa, très bien, bon, bon. Alors directeur technique de digue, il dit, voilà, c'est le bordel, je vous prie tous ces petits investissements. J'ai pas que ça à foutre, hein, parce que j'ai des gros investissements, moi. Hein. Alors, il appelle la filiale. Hein. Il appelle la filiale. Il dit, c'est quoi ton truc, là? Alors la filiale explique, bon, c'est un petit investissement, budget, un petit machin, ça sert à faire truc, machin, bon, très bien. Bon, lui dit, ouais, ok, bon, d'accord, j'ai pas le temps, là. Bon, c'est carré, c'est béton? Hein, je te fais confiance, moi, j'ai pas le temps. Hein? Alors je dis, ouais, tu peux y aller, c'est carré, c'est béton. Bon, bah, j'y vais, bon, alors. Là, le directeur technique, le truc de digue, moi j'ai étudié le truc, c'est carré, c'est béton. Là, on peut y aller. Alors la digue, très bien, impeccable, bon. Et alors, il appelle la filiale, il dit, bon, on a étudié ton investissement, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais tu sais, bon, on a beaucoup réfléchi, hein, mais allez, c'est ok, mais va sur cette voie, il revient plus parce qu'on a pas que ça à foutre, hein. Ouais, bon, la boucle est bouclée, tout se passe bien.